Bonjour, frère Maxime, comment nous c'est JFL Cuisine Créole. J'en fais dans lundi votre chef à la maison qui est entré la caille. Bon, dis-nous non. Je dis à la moi préparer un petit pâte de tacos pour nous. Tacos, ça c'est une sorte de petit pâté mexicain. Ok? Gagner 3 tasses de maïs moulin fin. En un mot, c'est 3 tasses de farine maïs. Après ça, moi mettez une tasse de farine tout usage. Ça nous les farine France. Même vini avec 2 tasses et demi d'eau là. Mais ça va dépendre de qui maïs est. Maïs est capable d'absorber beaucoup d'eau. Les cavines fait nous prendre plus d'eau. Mais normalement, selon maïs, c'est 2 tasses. On commence graduellement. On ne va pas mettre sel en rien là-dedans. On met graduellement. Hein? Une fois que la pâte là bien faite là, qu'on a la moins quitté de côté. Moi pas quitter le reposer un petit 20 minutes, c'est tout. Après ça qu'on a mal venir faire, tacos ça pour nous. Bon. Un pâte là après on 20 25 minutes reposer comme ça, même venir avec planche moins là ou bien ou même on ca gagne un bagage très plat la caillou. Moi prendre deux morceaux papier sulfurisé. Pas oublier moi dit non que m'a fait pour nous maison. Avait dit entreprise nous qui vend nous là, li bien équipé. Il y a tout à fait pour craser pâte li, tout à fait bien fait là. Qu'on a dans papier sulfurisé, hein, ça me fait passer un petit l'huile dans papier, sous papier. Passer vraiment au centre côté qu'on aime pas gain besoin. Ça c'est le premier. Moi gon deuxième aussi qui même là j'ai avec, moi va le repasser tout de même. Qu'on a une fois que me passer l'huile dans deux papiers moi besoin yo, qu'on a moi prendre un petit morceau pâte. Mais pas là, ou faire grosseur ou désirer. Moi, ou les petits pâtes là dans mes mains. Je fais belle petite onza. Qu'on a moins déposé papier à celui qui a l'huile, bon qui a l'huile là-dedans, qu'on a moins va faire tout. Je fais un rond le maximum que possible. Là, je passe même sur les peser même là. Je juste passe même pour me caresser, pour me faire tout même hauteur. Et voilà. Je fais un gélageur ça là qu'on a gâte. Je me lève un morceau de papier. Bien huilé, bien belle. Okay. Ça, c'est lui-même qui va le censé. Pas qui va le faire taco ça pour nous. Quand je pousse ça, nous allons voir comment faire. Je viens avec un poil. Moi mettez réchaud à 6.5, pas trop. Mettez accent sur première pour nous après ça pour mal faire reste. Une fois que nous senti poil la chaud, même papier nous te prend nous te passer ti l'huile sous papier nous fait même bala tout, nous passons ti l'huile dans fond poil là. Pas beaucoup là. Qu'on a là. N'a venir avec pâte là, mais pâte là devant nous, venir avec dans papier, moi juste déployer li, moi déposer là dans poil. Et voilà. Quand on est là, il faut nous surveiller. De temps en temps, je vais là-dedans. Je vais vous dire pour regarder est-ce qu'il y a un bas qui commence, commencé à colorer, mais ce n'est pas encore prêt. Là. Dès que je vais réaliser le capable de passer prêt, regarde, c'est jaune assez, je vais prendre un virus. On peut quitter le fait, même quantité de temps fait sur le premier côté avec l'autre côté, on va le bas. Je vais vérifier de temps en temps pour moi s'il est prêt. Okay? Je viens avec un assiette ça et je viens avec un rouleau. Parce que c'est où l'eau a gagné, mais ou même la caille où tout a gagné, ou l'eau plus petit. Si ou l'eau plus petit encore, la plus bon toujours. Quand on a montré nous qui ça m'a dit. Même si je gagne l'autre encore, c'est prêt à me faire mes fois. Pour me expliquer nous, ça m'a expliqué nous bien. Mais souvent, les noix pas achetées en tortillas, nous les couper. Les petits gens couper comme ça. Mais les gens qui font le professionnel ou bien industriel pour vendre, ils possèdent tout à fait bien fait. Par contre, si vous voulez que tout déjà fait, tout casser. Qui ça me fait avec? On a pendant tout choix, on déposer le celui-là et puis moi fait le point forme là. On quitte là, arrêter là longtemps. Après un moment quand on commence à refroidir, après tu dans forme ça même et puis qu'on a tout getan gagné forme tortillas là. Moi pour continuer de suite ensuite pendant que ça a refroidi en quelque part, m'a fait tout et puis me vient avec ou après tout à cobi comme ça. OK? On va continuer. Pendant que moi fin fait pas de tacos moi la refroidir en quelque part, qu'on a là on va venir faire viande tacos ça pour nous.
même venir avec 800 grammes de bœuf haché là, ça nous est de viande moulée. Hein? Je parle avec viande moulée. Hein? On dépose le chaudière qui chaud, la poêle là. On va mettre l'huile dans la chaudière lui-même qui va le faire l'huile. Faut que nous brasser constamment pour ne pas avoir une boule là-dedans. Hein? Tout là toujours, c'est la même façon de faire vrai tacos là. Quand on va arriver pour me transformer, pour me dire, mais qui ça fait, nous allons dire, yon tacos créole dans la façon pas nous, m'a dit nous. Là, nous constatons que c'est comme frit. Ça veut dire, viande n'a quasiment pas de don encore là-dedans. Là, maintenant, moi commencer à assaisonner. Moi mettre sel. Mais ça fait me dit nous, c'est la façon créole nous a fait. Moi mettre une belle cuillère d'épices créole que nous, moi montrer nous fait déjà sur chaîne. Moi mettre une petite cuillère de paprika, mais si pas gain, c'est pas si grave que ça. Après ça, moi mettre une belle cuillère de pâte tomate là-dedans. Moi mettre oignon là-dedans, oignon rouge. Là, moi mettre trois sortes de poivrons. C'est très important de mettre trois sortes de poivrons pour couleur. On y a là, moi pour le brasser. Mettre l'autre ingrédient à mettre là-dedans là. Moi mettre poivre là-dedans. Si toutefois, vous voulez faire de façon haïtienne, vous pouvez mettre poivre là-dedans. Même si avec un petit piment rouge, mais c'est piment bouc, moi mettre poivre. Vous pouvez mettre ça là-dedans non plus. Et puis épices créoles, vous pouvez mettre épices créoles là, vous mettez seulement l'ail là-dedans. Et vous pouvez mettre citron en tout. Ça sent vraiment bon là. On a marqué les légumes bien cuit là-dedans. Puis je vais goûter pour moi si celle-là c'est assez. Et puis nous allons. Wow. Ça sent bon et puis c'est vraiment bon. Je vais goûter, c'est très bon. Mais c'est pas fait. On a une fois c'est fait. Mais viens de tacos là. Pas de tacos, moi je fais une fête. Et puis qui sont déjà faites, qu'on a là, moi je fais mes fois. Et puis je vais venir pour me faire quelques petits montages de tacos pour nous. Mais viens là. Viande a déjà fait, c'est pas fait. Et c'est très goûteux là. Ça goûte vraiment une viande haïtienne. Mais tacos là, qu'on a forme tout, dis-nous. Pas mieux pas sec. Premièrement parce qu'il m'a fait assez mince, qu'il me devrait faire au mince. Et puis m'a fin, par coup, l'aile de fin coupé là, m'a calmité dans le four avec une température très doux. Et puis pour te sécher, ou t'as mis le genre à 186 degrés Fahrenheit là. On a commencé à sécher tranquillement et puis tu as vu comme ça sec, ok, mais c'est ta cause pareil là, c'est très bon, ok. N'oublie pas, c'est maison. La manique prend les manique mettez viande dans les et mexicain yo même yo qu'on mange tu as fait très 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 bien là, yo qu'on comment pour manger là. Et voilà, c'est qu'on soit mettez na yo même yo soutenir avec bossa et puis yo tombe fait coup dedans comme ça. Et voilà, c'est ça qui ta cause qu'on a là. Ou quand mettons ti garniture sur lui, t'allez m'a le montrer. Ok. Une fois que vous mettez ti tacos ou comme ça bien fait, ok. Ou quand font ti garniture, vous mettez tant que par exemple, vous allez prendre ti laitue ou émincelé avec ti tomate là-dedans et pour ti jus de citron, ti avocat et vous mettez ensemble pour déposer sur lui. Moi-même, ça me fait là, me fait juste un petit guacamole. Elle veut dire, je vais prendre un avocat, mettons ti l'huile d'olive là-dedans, un petit poivre, un petit jus de citron pour le pas noircir et puis m'a déposer sur lui. Et voilà. Mais tacos là devant nous est fait avec une petite garniture de guacamole. Ça c'était un petit tacos de façon créole moi t'ai fait pour nous. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison. Merci, au revoir.